Un seul objectif ce soir pour l'OM, l'emporter et revenir à la hauteur du PSG et de Lyon en tête de la Ligue 1. Marseille reste sur 2 succès d'affilée, mais aussi sur 2 défaites par 3 buts d'écart à domicile contre Lyon et Lorient. Les Verts, de leur côté, marquent le pas actuellement. Les hommes de Christophe Galtier n'ont plus gagné ni marqué depuis 4 matchs avec 2 défaites et 2 nuls. Mais attention, Saint-Etienne n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur et a été capable de belles performances comme cette victoire au Parc des Princes. Pas grand chose dans cette première période, quelque peu insipide. Un seul éclair à la 45e minute. Cette tête d'André Ayew, le timing parfait sur le centre millimétré de Rod Fanny. 5e but de la saison pour André Ayew qui trompe Stéphane Ruffier. C'est le 10e but de la carrière d'André Ayew dans le domaine aérien. 1-0 pour l'OM. Ce sera le score à la mi-temps. Et les hommes de Christophe Galtier, qui n'ont rien montré ou presque durant les 45 premières minutes, vont se montrer un peu plus entreprenants avec ce ballon dans la profondeur pour Joshua Guilavogui. Le contrôle du capitaine espoir est trop long et Mandanda peut gicler dans les pieds de Guilavogui pour préserver l'avantage des Olympiens. Une nouvelle occasion pour Aubameyang. Mais c'est au-dessus. Aubameyang n'a plus marqué depuis 1 mois et demi. Son compteur but reste ainsi bloqué à 8 réalisations. Une autre situation pour l'international gabonais, lancé en profondeur par François Clerc. Il élimine Mandanda, mais il se heurte au retour de Fanny puis de Lucas Mendes. Incroyable occasion pour Saint-Etienne, la plus grosse de la partie à 1/4 de la fin. Marseille, échaudé par cette alerte, va essayer de pousser et inscrire le but du break. Jordan Ayew dans la surface de réparation face à Kurt Zouma. Il transmet à son frère André qui bute sur les 2 pieds de Stéphane Ruffier, vigilant. On en restera là. L'OM termine cette mi-saison à égalité de points avec le PSG et Lyon. Une 12e victoire, la 7e sur le score de 1-0. Saint-Etienne, de son côté, glisse à la 10e place.